Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, si vous venez à peine de cliquer sur la vidéo. Donc aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, c'est ma routine capillaire ou bien les produits que j'utilise quand je décide de me laver les cheveux. Et ça se fait une fois toutes les 2 à 3 semaines. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les produits que j'utilise quand je me lave les cheveux et pendant le reste du temps. On va commencer par de l'huile d'olive. J'adore cette huile d'olive en bain d'huile. D'habitude, je la fais chauffer au micro-ondes ou bien je la réchauffe au bain-marie dans un petit récipient. Je distribue sur toute ma chevelure. Soit je reste sous un casque pendant 15 minutes ou je dors avec et le lendemain, je procède au lavage. Pour le lavage, le Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Shampoo. Pour le conditioner, j'enlève un peu les cheveux là parce que c'est très joli à voir. Pour le conditioner, j'utilise celui-ci. Donc c'est un produit de Giovanni que j'ai découvert il y a un moment. Il traînait dans ma douche, je me suis dit, j'ai pas d'après-shampoing, qu'est-ce que je vais faire? Donc ce produit avec moi, ça fait un peu plus de 2 mois hein, et il m'en reste assez pour 4 lavages on va dire. Donc il y a ça, il y a aussi l'après-shampoing de Trader Joe's. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'aime ça et c'est pas cher du tout. Donc il y a ça et mon leave-in conditioner, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est le Direct Leave-In Weightless Moisture Conditioner de Giovanni. Donc celui-ci, il m'en reste assez pour finir l'année. Pour démêler mes cheveux, des fois j'utilise ça, des fois j'utilise pas. Donc c'est le Kinky Curly Not Today. Pour utiliser ce produit, il faut que je puisse faire de toutes petites sections, sinon il ne marche pas du tout. Mais ça aide vraiment à démêler mes cheveux. Des fois j'utilise, des fois j'utilise pas, mais la dernière fois je l'ai utilisé et c'était super top. Et pour sceller l'hydratation, j'utilise de l'huile d'amande douce, tout simple. Sur mes cheveux mouillés, non, sur mes cheveux humides, j'applique le leave-in conditioner et je finis avec ça. Des fois, j'ajoute 1-2 produits pour essayer. J'ai un produit de cette marque-là, de Jamaican Black Castor Oil. J'arrive. Ils font de bons produits, que voulez-vous. Donc, c'est le Jamaican Black Castor Oil de la même ligne. Strengthen, Grow and Restore Styling Lotion avec du beurre de karité, de peppermint. What's peppermint? Je sais pas. Et de la kératine. Voilà tous les produits que j'utilise dans ma routine. Des fois j'ajoute 1-2 produits, mais ceux-là, ce sont les produits stables que j'utilise. Donc voilà un peu. Aussi, je n'utilise pas de peigne. Bon, on va dire que le peigne, je l'utilise 1 fois sur 5, on va dire, ou 1 fois sur 3, ça dépend. Et aussi, je ne laisse pas mes cheveux rétrécir. Donc je les étire toujours à la fin de mon lavage. Je démêle, j'hydrate, je nourris, je selle et je fais des nattes pour que ça puisse s'allonger en fait. Et après, je fais une coiffure comme voici, j'ai fait des vanilles. Donc quoi d'autre? Je me suis dit ce serait bien si je faisais un giveaway. Donc quand la vidéo atteindra 10 000 vues, je vais faire un giveaway pour tous ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et pour rentrer, il faudra juste laisser un commentaire dans la barre de commentaires et avoir une adresse valide. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Bye!